Audiovisuel, cinéma, art plastique, industrie musicale, spectacle vivant, art visuel, de nombreuses thématiques sont explorées ici au sein du forum Entreprendre dans la culture. Et puis il y avait un focus cet après-midi, également ce matin, autour du tourisme culturel et notamment de l'innovation dans le tourisme culturel. Et puis comment finalement le tourisme culturel propulse de nombreux acteurs de l'entrepreneuriat culturel à collaborer avec les collectivités territoriales. Alors, j'ai le plaisir de recevoir deux intervenants qui ont animé cette journée. Tout d'abord, Christian Berger, vous êtes directeur général de l'Office Tourisme du Grand Arras, dans le nord de la France. Et on va parler avec vous justement des questions d'innovation sur votre territoire. Comment vous collaborez avec les startups? La table ronde sur laquelle vous intervenez en début d'après-midi a été intitulée « Tourisme et culture, l'innovation n'est pas une option ». On va y revenir tout de suite. Et vous êtes accompagné de Salvatore et Bruno. Vous êtes responsable de partenariat au sein de la société WeMap. On va également en parler puisque vous travaillez avec un certain nombre d'institutions, notamment sur les enjeux de tourisme et de culture. Alors, l'innovation n'est pas une option au sein du Grand Arras dans le tourisme. Pourquoi il faut innover? De quel constat vous partez? Oui, c'est pas une option, ça c'est clair. Et pourquoi sur l'Office de tourisme du Grand Arras, mais comme sur tous les autres territoires, finalement, ce n'est pas une option. C'est que dans le tourisme, la culture, on ne l'a peut-être pas vu tout de suite, mais dans le tourisme, on sait maintenant depuis une dizaine d'années que le digital a tout transformé. Il a transformé au niveau international. On voit les grands groupes apparaître dans une première période. Et puis très vite, ce qu'on appelle l'intermédiation. Avec Booking, avec Airbnb, et ces nouveaux acteurs entrants et disruptifs vont absorber le marché très rapidement. Et là où l'Office de tourisme avant avait de la place, il en a beaucoup moins qu'avant, sauf à être intelligent, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, Salvatore et... au sein de WeMap, vous trouvez qu'il y a une urgence effectivement d'innover pour les territoires. C'est le pourquoi de vos produits. De quel constat êtes-vous parti pour créer cette société? On est parti du constat que WeMap est une société, une jeune société innovante, une start-up qui s'occupe de créer du contenu qui diffuse sur des cartes interactives, des cartes géographiques interactives. On part du constat qu'énormément de territoires ont besoin d'accélérer. Comme Christian disait, il y a un train à prendre qui va très vite, qui vient souvent des US, avec des plateformes très proches des utilisateurs. Et il faut du coup pas rater ce train. Et du coup, on s'inscrit dans cette logique dans laquelle une solution comme la nôtre, qui est disponible en SaaS, c'est-à-dire elle est déjà prête, et du coup, il faut juste s'inscrire et pouvoir connecter ses contenus, et on produit des cartes du territoire du Grand Arras ou d'autres, ça va très vite. Donc nous, on est très rapidement capable de supporter cette accélération dont beaucoup de territoires ont besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Christian Berger, il faut à tout prix collaborer avec des startups, des entreprises pour trouver des solutions? Et puis, si oui, comment? Alors, comment on collabore avec ces entreprises? C'est vrai pour les institutions comme pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, l'effet croissance, il est chez les startups. Et donc, il faut collaborer avec elles parce qu'elles ont déjà travaillé à de la modélisation, en fait. Ils sont, la plupart du temps, très proches de la réalité des clients, parfois plus que nous encore. Et donc notre collaboration est vraiment essentielle parce qu'on va aller chercher l'effet de croissance chez eux pour permettre d'aller beaucoup plus vite chez nous. Et ça a un autre effet, et on se connaît avec Salvatore depuis quelques années maintenant, ça a un autre effet, c'est que ça a un impact sur les équipes des offices de tourisme. Et aujourd'hui, quand on travaille avec une start-up, et j'ai travaillé avec plusieurs start-up déjà, c'est toute l'équipe de l'office qui change. Et elle se met aussi en mode projet, en mode start-up, et donc va elle-même beaucoup plus vite. Et donc on a deux effets bénéfiques. On a l'effet de croissance externe qui est porté par la start-up. Et puis en plus, l'effet waouh au sein de l'équipe qui permet à l'équipe de grandir et de pouvoir aborder cette croissance sereinement. Alors il y a la croissance, mais c'est aussi des outils, des nouveaux usages. Quels sont les nouveaux usages du tourisme? Alors les nouveaux usages sont des usages numériques d'abord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parlait numérique, il y a encore 2 ans, 3 ans, on parlait ordinateur, tablette, un peu téléphone. Aujourd'hui, les pratiques touristiques du numérique, c'est d'abord le mobile.
Par exemple, je suis en train de retravailler à faire le site internet de l'office de tourisme du Grand Arras. Je le pense en mobile first. C'est-à-dire qu'on va travailler le site internet pour qu'il soit bon sur le mobile. S'il est un peu moins bon sur l'ordinateur, pas grave, la plupart des actions se font sur mobile aujourd'hui. Ça implique autre chose. Ça implique que quand on faisait un site internet avant, on faisait de la promotion. On séduisait le chaland pour qu'il vienne chez nous, le touriste pour qu'il vienne chez nous. Aujourd'hui, non seulement on doit le séduire, mais on doit lui apporter des résultats à sa demande et on doit l'accompagner tout au long. Parce que lui, il est toujours avec son même outil et il se balade avec. Et donc c'est tout notre travail à faire. Et on ne peut le faire que si on est accompagné qu'avec des startups comme WeMap ou comme d'autres qui nous permettent finalement d'avoir les bons outils au bon moment et d'avoir toute la recherche, parce que c'est de la recherche derrière, toute la recherche à notre portée pour des coûts, parce qu'on parlait de mode SaaS, c'est des modes locatifs, pour des coûts qui sont aujourd'hui gérables pour des offices de tourisme. Chez WeMap, Salvatore, vous innovez. Comment vous répondez à ces nouveaux usages? Est-ce que, avec les collectivités territoriales, on vous soumet des besoins? Comment vous arrivez à avancer sur ces produits, sachant qu'il peut y avoir des attentes très différentes entre une société comme la vôtre qui va travailler peut-être avec un territoire comme celui du Grand Arras, et puis vous l'avez cité d'ailleurs, Christian Berger, à l'instant, des grands acteurs très connus du numérique comme Facebook, Google ou autres, qui eux aussi ont des outils qui viennent absorber toute cette donnée. Voilà. Comment vous positionnez-vous dans vos outils, dans votre pratique professionnelle par rapport à ces collectivités territoriales? On se positionne sur, encore une fois, j'insiste sur la question de la rapidité ou de l'accélération. Pourquoi typiquement, qu'est-ce que WeMap fait? WeMap rentre dans la cour des grands. Dans le sens, globalement, notre concurrent principal est Google Maps. Qu'est-ce qu'on apporte à une réalité concrète qui existe, qui a un bureau qui a besoin d'innover et a besoin de le faire rapidement et a besoin de collaborer avec des personnes. Certes, même chez Google, à San Francisco, mais à Paris ou dans chaque ville du monde, il y a des personnes. Nous, on arrive à avoir la même vitesse, voire être plus réactif et plus accessible, tout en étant physiquement à côté de notre client. Je défie, sûrement on aurait pu inviter quelqu'un de chez Google Maps aujourd'hui dans cette interview, pas sûr qu'ils acceptent de faire ça, dans le sens qu'ils ont une logique qui est de plateforme et donc quelque chose qui doit être, dont le client doit adhérer. Et donc tu prends comme il est, tu peux rien customiser. Le 100% de nos clients, avec leurs besoins, ils mettent en forme notre produit. Nous collaborons depuis plus de 3 ans avec le ministère de la Culture. Je l'ai dit dans notre forum tout à l'heure. On a pas mal de fonctionnalités qui sont aujourd'hui dans WeMap et qui sont à disposition de la totalité de nos clients, viennent d'un besoin spécifique du ministère de la Culture. Ça veut dire être innovant, mais aussi être à la bonne taille pour pouvoir répondre, pour être présent et pour pouvoir garantir quelque chose qui convient à nos clients. Est-ce que vous pouvez nous citer, à titre d'exemple, quelques outils sur lesquels vous travaillez avec le ministère de la Culture? Les cartes WeMap présentent la totalité des événements nationaux du ministère de la Culture. La fête de la musique, les journées du patrimoine, la nuit des musées, etc. etc. À un moment, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de gérer un double niveau de données dans nos cartes. Les niveaux géographiques, logiques, il y a un musée ici, donc je dois le représenter sur la carte. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait gérer l'agenda, donc les événements que dans le cadre, mettons, des journées du patrimoine se passent à l'Élysée. Il y a une programmation de 3 ou 4 visites différentes. Donc il fallait pouvoir gérer un lieu physique qui ne bouge pas, l'Élysée est là, on ne le déplace pas. Mais chaque année, dans le cadre des journées du patrimoine, il y a des visites différentes, avec des horaires, avec des parcours différents, etc. Cette fonctionnalité, donc, fondamentale, qui permet de gérer un lieu physique, mais avec sa programmation qui est variable, qui varie plus rapidement que le lieu, on ne l'avait pas. Et donc, on l'a développé pour le ministère de la Culture, par exemple. Alors, Christian Berger, le territoire du Grand Arras devient-il un incubateur pour les startups du tourisme culturel? Comment vous les attirez, ces startups? Est-ce que l'écosystème du territoire dans lequel vous êtes apporte ces innovations naturellement? En tout cas, on travaille à créer un écosystème favorable à l'arrivée de ces startups.
J'ai, à titre d'exemple, créé une rencontre qui s'appelle Tea Time avec le arrobase à la place du A, qui est la rencontre la pause digitale des acteurs du tourisme. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu, moi, en tant que manager de destination, que mon écosystème n'était pas forcément toujours à la hauteur pour pouvoir justement aborder les questions dont on parle aujourd'hui. Et mon travail, c'est non seulement de faire la promotion, mais c'est aussi de créer l'ambiance d'écosystème favorable à la réflexion autour du digital. Parce que tout seul, moi, en tant que manager de la destination, j'y arriverai pas. Il faut que les hôteliers comprennent comment ça se passe. Il faut que les restaurateurs comprennent comment ça se passe. Il faut que les équipements culturels comprennent comment ça se passe, les équipements de loisirs, etc. Et c'est une fois qu'on a réglé cet écosystème qu'on peut aborder collectivement finalement des questions sur des développements de start-up. C'est le cas aujourd'hui avec Wimap. C'est le cas aussi, puisque je le développe sur mon territoire, avec Timescope, qui sont des bornes de lecture en réalité virtuelle du passé sur des lieux qui peuvent aujourd'hui ne plus avoir de traces de ce passé. Donc tout ça doit être mis en œuvre. Et le digital, à mon avis, hein, l'innovation, la grande innovation du digital, c'est une innovation managériale. C'est comment on fait en sorte que tout le monde comprenne l'importance et tout le monde ait la compétence nécessaire à avancer. Si on n'arrive pas à faire ça, c'est toujours un peu boiteux. On arrive à avancer, mais pas suffisamment. Et donc, on est vraiment dans une innovation managériale. Et je pense que la vraie disruption, parce qu'on emploie souvent ce terme-là d'un point de vue technologique, la vraie disruption, elle est managériale. Alors, vous nous avez illustré un certain nombre de sujets d'innovation sur lesquels vous avez travaillé. Pour continuer à illustrer vos propos, est-ce que vous pouvez nous citer quelques innovations marquantes qui, dans vos métiers, vous ont permis peut-être de changer un peu les choses sur les pratiques professionnelles et de renouveler un peu, justement, cette offre touristique ? Alors, elles sont très variées. Donc, l'exemple de Wimap est un exemple d'innovation sur notre métier. On est un métier de la géographie quand on fait du tourisme. Et donc les métiers de la géographie, c'est les métiers de ce qu'on appelle les maps aujourd'hui et les maps intelligentes. Mettre de l'intelligence dans de la map, c'est pas si simple que ça. Donc ça, c'est une innovation. Après, il y a toute la réflexion sur comment je suis en contact avec mon client, comment je le connais. Il y a beaucoup de gens encore dans le tourisme institutionnel qui connaissent pas leurs clients. Comment, une fois que je le connais, je le répertorie ? Comment je fais en sorte de le mettre dans des classements qui ressemblent à d'autres clients qui sont proches pour pouvoir créer des produits qui vont être de plus en plus adaptés ? Et pour ça, il y a plusieurs façons. Soit je répertorie ça chez moi, tranquillement, soit je me dote d'outils hyper innovants, hyper forts, comme ce qu'on appelle le web listening ou le social listening, qui sont des outils qui nous permettent de savoir en temps réel sur le net ce que cherchent les clients. Et aujourd'hui, Arras Pays d'Artois Tourisme s'est doté de ce type d'outil. On est la première destination à l'avoir fait. C'est un outil qui sert à la fois en politique, mais aussi en marketing de grands groupes. Pourquoi ? Parce que ces outils deviennent accessibles. Et ça, à mon avis, la plus grosse innovation est là. C'est, pour nous, en tout cas, c'est comment on garde le contact avec notre client et comment, en gardant le contact avec le client, en le connaissant de mieux en mieux, on lui apporte de plus en plus, finalement, des solutions qui l'intéressent. Alors, je vais vous poser une dernière question et pour clôturer ce rapide échange. Salvatore, Bruno, quel message, conseil vous pourriez envoyer à ces collectivités territoriales qui réfléchissent et qui essayent d'innover ou envisagent peut-être de revoir leurs pratiques sur les questions du tourisme culturel? Et puis, je renverrai plus ou moins la même question à Christian Berger, mais peut-être à la destination, cette fois-ci, des startups, ces entreprises qui essayent de proposer des solutions aux outils des collectivités territoriales tels que sont les offices du tourisme. Salvatore. Pour moi, le message est je comprends et je respecte que dans chaque collectivité, il y a des process, il y a des étapes à franchir, des choses que, si vous voulez, nominalement, ils sont un peu en contraste avec cette envie qu'on retrouve aussi d'accélérer, d'aller vite. Donc le message est, je n'invite pas les collectivités à brûler ces process parce qu'on pourrait frôler l'illégalité, mais dans l'état d'esprit, essayer de penser de façon libre. Essayer de... concernant Wimap, on peut tester très facilement et si ça ne plaît pas, on revient en arrière. On a
Oui, peut-être on a perdu un peu de temps, mais globalement, on a peut-être appris quelque chose. Donc, testez librement. Faites-nous confiance. On est des passionnés. On est animés par ce genre de choses. Donc, on essaiera de donner le mieux. Donc, le message pour moi est, voilà, ouverture aux jeunes entreprises françaises. Voilà. Christian Berger, alors quel message pour les startups ? Je vais avoir une réponse globale aussi, comme Salvatore, parce que on sent bien que l'écosystème existe déjà entre certaines startups et locales. Et je vais résumer ce qu'il a dit et le prendre pour moi, c'est test and learn. Test and learn. Il faudrait simplement, ce que j'aimerais, c'est qu'en France, on laisse au territoire le soin de tester. Et donc qu'on lui donne la possibilité beaucoup plus de tester les choses. Et ça, c'est un petit message national pratiquement. C'est que pour ne pas être hors l'égalité, comme tu l'avais dit, il faut desserrer un peu les taux et que le test and learn devienne presque une inscription dans la loi et qu'il permette à des gens comme moi qui avons envie d'aller vite de pouvoir le faire en sécurité. En sécurité pour moi et en sécurité pour les startups. Donc tester et apprendre. Ben merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Berger et Salvatore Bruno. Je rappelle, Christian Berger, vous êtes directeur général de l'Office de tourisme du Grand Arras. Vous êtes intervenu dans une table ronde qui était intitulée « Tourisme et culture, l'innovation n'est pas une option ». Et Salvatore Bruno, vous êtes responsable partenariat de l'entreprise WeMap. Pardon. Et vous êtes intervenu également sur une autre table ronde qui s'intitulait « Innover avec le ministère de la Culture ». C'est possible. Voilà, et bien c'est beaucoup de possibles aussi qui sont démontrés ici au Forum Entreprendre dans la culture. La journée se poursuit avec un certain nombre d'ateliers et de tables rondes. Encore demain, vendredi 1er juin, ici à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Merci, bon salon, à bientôt. Merci beaucoup.